t'es déjà levé? Je viens de me lever, maman. Tu as une mine superbe ce matin, Kumkum. Où est papa? Il est parti dans la montagne. Va vite le prévenir. Le petit déjeuner va être prêt. Papa! Papa, où es-tu? Hé, papa! 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 Qu'il n'avait qu'un seul œil. Il était là-bas et il griffait le tronc d'un arbre. Voilà les empreintes de ses pattes, regarde. Tu as raison. C'est le borgne. Cette horrible bête est enfin revenue. Non, il n'y a pas d'erreur, mon fils, c'est le borgne. Cette fois, il ne pourra pas m'échapper. Mon Dieu, tu veux dire qu'il a tué des hommes? C'est malheureusement vrai. Kumkum l'a vu en venant me chercher. Mais comment peux-tu être certain que l'ours qu'a vu ton fils est bien l'ours mangeur d'hommes? Eh bien, Kumkum m'a dit qu'il n'avait qu'un œil. Et les empreintes de ses pattes me paraissent semblables. Oui, il a dû hiberner pendant les froids. Il vient de se réveiller et il voudra manger de la viande fraîche. Écoutez-moi tous, il y a longtemps que je connais cet ours. C'est un féroce mangeur d'hommes. Il ne faut pas aller derrière la montagne. Dis, maman, t'as entendu parler du terrible ours borgne? Quoi? Un ours borgne? Je l'ai vu ce matin en allant chercher papa. Et en plus, il paraît que c'est un ours mangeur d'hommes. Et comment as-tu appris qu'il mangeait les hommes? C'est papa qui me l'a raconté. Maman, tu as entendu parler de l'ours borgne? Moi, j'ai l'impression que papa le connaît. C'est que votre père l'a déjà vu. Quand ça, maman? Hein? Eh bien... ça remonte à l'époque où nous venions de nous marier. Il n'y avait pas encore de village ici. Pas de maison, ni de culture d'aucune sorte. Et avec l'aide de Léo, un ami de votre père, nous défrichions la terre. Nous abattions des arbres pour avoir du bois, afin de construire des maisons et des ponts. Nous cherchions des pierres pour faire des foyers et transportions les plus belles. Nous désirions tous les trois créer un village dont nous pourrions être fiers. Un jour... j'ai aperçu une jolie fleur sauvage qui poussait en haut des rochers. Bras de Fer a dit qu'il allait me l'accueillir. Et alors qu'il allait la prendre, un monstrueux ours noir s'est dressé devant lui. Il fixait votre père de ses yeux méchants et il ne bougeait pas. Et tout d'un coup, il leva sa patte puissante pour frapper. Léo m'a poussé et a ramassé une pierre. Il l'a jetée à la tête du monstre. L'ours est tombé en avant. Léo, fais attention! L'ours porta un coup terrible à Léo, se jeta sur lui avec une sauvagerie incroyable. Alors votre père se précipita au secours de son ami, mais lui aussi reçut un coup terrible. Votre père ramassa un aiguilleau de bois. Oh non, Bras de Fer! Et il lança l'épieu à la tête de l'ours et lui creva l'œil gauche. Alors l'ours, à moitié aveugle, s'enfuit dans la forêt en hurlant de douleur. Léo, non Léo, tu ne peux pas mourir. Léo, mon ami, ne meurs pas, Léo! C'est
ainsi que notre ami Léo a donné sa vie en essayant de sauver votre papa de l'ours sauvage. Nous l'aimions, c'était le meilleur ami qu'on puisse avoir, mes enfants. Et votre cher papa cherche le borgne depuis des années. Maintenant qu'il est revenu, Bras de Fer a juré de le tuer. Et il a bien fait. C'est une méchante bête! Oh, papa! Hé, papa! Mais qu'est-ce que tu veux, Koum-Koum? Est-ce que je pourrais t'aider à tuer cet affreux ours? Hein? Tu voudrais venir avec moi? Qu'en penses-tu, Flora? Hein? C'est toi qui as fait ça, Koum-Koum? Je l'ai fabriqué pour t'aider à tuer l'ours! Vraiment? Très bien. C'est très bien, je vais t'emmener avec moi. C'est vrai, tu m'emmènes? Ça va être pénible de marcher dans la montagne. Tu penses que tu pourras? J'en suis sûr. Bon. Pas trop dur? Non, papa. Maintenant qu'on a quitté le village, tu veux continuer? Bien sûr, papa. Papa, t'es sûr que l'ours se cache dans la montagne? Koum-Koum, regarde si tu vois ces empreintes. D'accord. Ah! Papa, je suis dans un trou! Allez, regarde aussi s'il y a des pièges. Arrête. Quoi? Tu veux essayer de la voir? Ouais. Pour en attraper plus, il faudrait tomber sur ton derrière plus souvent. Oh. Est-ce que ça va? Très bien, papa. Koum-Koum, c'est lui, regarde-le, le voilà. Dépêche-toi, il reste près de moi. Cette fois, il ne pourra pas nous échapper. Mon fils, pas le borgne, ce n'est pas le genre qui refuse le combat. Il faut s'y prendre autrement. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qui se passe? La terre tremble, regarde, la neige se soulève. Sauvons-nous vite, Koum-Koum, c'est une avalanche. Dépêche-toi. Papa, elle va nous écraser. Oh.
pas de mal, Koum-Koum? Je crois que je vais bien. Regarde, je suis tout entier. Mais avec cette avalanche, on a perdu l'ours. Oui. C'est vrai, mais nous savons qu'il vit dans la montagne. On finira bien par le retrouver un jour. Je te tuerai un jour, le borgne. Je dois venger Léo. Koum-Koum. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu, papa? Tu vois cette trouée? L'herbe est écrasée et forme une sorte de chemin. C'est peut-être par là que passe l'ours pour regagner son gîte. Alors peut-être bien qu'il est pas très loin d'ici. Allez, viens, sale ours, mangeur d'hommes, montre-toi. Ça ne veut pas forcément dire que l'ours est là maintenant, mais qu'il prend ce chemin tous les matins pour aller chercher à manger. On pourrait peut-être lui tendre une embuscade. Ce n'est pas bête, Koum-Koum, mais malheureusement, les ours ont un merveilleux odorat et il faut trouver d'où souffle le vent. Sais-tu comment on trouve d'où souffle le vent? Non. Il faut mouiller son doigt. Et le côté du doigt qui est le plus froid est celui d'où souffle le vent. Oh. Ça y est, viens de là. C'est parfait. Mais comme notre odeur est portée par le vent, de quel côté devrions-nous le guetter? On devrait faire l'embuscade de l'autre côté. Tu as trouvé, contre le vent. Ta vie dépendra peut-être un jour de cela. Tâche de ne pas l'oublier. Promis. S'il vient, il ne va pas tarder. Mon bon Léo, durant ces années, je n'ai plus oublié qu'en voulant me sauver des griffes de cet ours sauvage, tu as fait le sacrifice de ta vie. Maintenant, je vais pouvoir te venger. Je vais le tuer. Est-ce que je peux courir un peu? Oui, mais surtout fais attention, ne t'éloigne pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Koum-Koum, réponds-moi vite, Koum-Koum! S'il faut que je le tue. Je vais venger mon ami. J'ai attendu ce moment durant des années.
reste-t-il immobile? Pourquoi ne m'attaque-t-il pas avec la rage d'autrefois? Pourquoi ne bouge-t-il pas? Allez, attaque-moi et je te tuerai! Allez, vas-y, attaque-moi! C'est moi qui ai crevé ton œil. Attaque-moi! N'ai-je pas tiré ma flèche, alors que j'ai attendu cet instant durant si longtemps? Je te demande pardon, Léo. C'est pas la peine de se donner autant de mal pour le laisser partir. Zut et zut, re-zut et re-zut, re-re-zut et re-re-re-re-zut, voilà! Ne sois pas fâché contre ma Kumkum, disons seulement que j'ai réfléchi, c'est tout. La prochaine fois, nous pourrions peut-être chasser les faisans, qu'en penses-tu? Hein? Un jour, tu vieilliras et tu deviendras plus sage, mon fils. Tous, nous vieillissons, les hommes, les animaux aussi. Et il arrive un jour où nous souhaiterions que les autres aient pitié de notre faiblesse. L'ours est vieux, il a suffisamment souffert. Hé, Kumkum! Quoi? Je vais t'apprendre à te servir de ton arc. Tu vois le sommet de cet arbre? Oui, papa. Regarde. Pas grave, un jour tu réussiras. On fait la course jusqu'au bas de la montagne? Oui, attention, prêt? Partez! Allez! Je vais te rattraper. Allez, avance! Tu ne gagneras pas, me voilà! Comme je dois devenir vieux. Tu n'es pas vieux, papa. Tout le monde devient vieux, mon fils, même les ours. さて、次のお話はみんなが大好きなふわふわカズラの作王家を畑にしてしまったローマン。頭に来たクムクムはローマンに決闘を申し込んだ。次回、出てこいローマン、決闘だ。どうぞお楽しみに。